Bonjour, c'est la nouvelle vidéo du samedi midi. S'il te plaît, reste avec moi, ne me quitte pas. Oh oui, ne me quitte pas. Sublime chanson de Jacques Brel que je vais massacrer à l'harmonica. Non, je vais essayer de bien la jouer. Hein. Eh oui, nous sommes le samedi 6 avril 2019 et il y a deux jours... Dans deux jours... Nous fêterons l'anniversaire de la naissance de Jacques Brel. Jacques Brel qui était né le 8 avril 1929. Autrement dit, s'il était toujours vivant, il aurait 90 ans. Oh là là. Difficile d'imaginer Jacques Brel à 90 ans, avec une longue barbe sûrement, un peu comme la mienne, peut-être encore plus longue. Bref, honneur à Jacques Brel pour cette vidéo du samedi midi avec « Ne me quitte pas » en valse jazz. Alors je suis parti d'un arrangement de Brent Headstrom, qui est vraiment pour moi le plus grand arrangeur de musique jazz du monde, hein, on peut le dire. Donc je suis parti de l'arrangement de Brent Headstrom, donc il avait fait en fait « Ne me quitte pas » en piano jazz. Un jour, je te le jouerai, c'est vraiment magnifique. Mais là, j'ai modifié un tout petit peu son arrangement et j'en ai fait une orchestration vraiment différente puisque, tu vas l'entendre, je vais être accompagné d'un piano, d'une contrebasse, d'une batterie et de deux violoncelles. Voilà, voilà, donc valse jazz pour « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Et à la fin du morceau, à la fin de la démonstration, je t'indiquerai comment tu peux faire pour toi aussi apprendre à jouer ce morceau. Ok, tu l'as aimé? Génial. Bon, c'est pas évident à jouer, c'est de niveau 2, c'est franchement de niveau 2. Là, il y a beaucoup d'altérations. Altérations en 2 une fois, 2 deux fois, 3 deux fois, 3 trois fois, 3 une fois même. Voilà, il y a carrément 5 altérations dans ce morceau.
Tu peux même en rajouter un peu. Moi, je joue des deep bends, je ne sais pas si tu l'as entendu, sur le 6 aspiré, le 4 aspiré. Enfin, voilà, il y a presque même sur le 5 aspiré, il me semble. Enfin, il n'y a que dans le 1 aspiré où je ne fais pas d'altération. Mais sinon, en 2, 3, 4, 5, 6, ça altère. Voilà, donc si tu as envie de t'amuser avec les altérations, notamment avec ce super morceau, cet super arrangement, orchestration de Ne me quitte pas de Jacques Brel, eh ben en fait, tout simplement, tu cliques sur le i, ici, là, ici, le i, comme invitation, ou en bas de la description de cette vidéo, et tu seras redirigé sur la liste de tous les cours du Club 52. Le Club 52, ce sont des morceaux que tu peux apprendre à jouer grâce à une méthode en vidéo. Donc, tu as cette vidéo, tu as plus de 2 heures de vidéo, donc tu as énormément de contenu avec des pistes de téléchargement, etc. Tu as vraiment beaucoup de choses, beaucoup de ressources à télécharger. Et ça te permet de partir de la partition et d'arriver jusqu'à ce que je fais. Enfin, le but, ce n'est pas forcément de m'imiter de manière systématique, mais c'est d'interpréter ton morceau à ta manière avec les bons effets harmonica et même d'improviser. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite bonne musique et on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube Armo Chopin.